passé un tiers de ma vie en tant que distributeur à des fonctions aussi bien de responsable de réseau que de direction marketing et centrale d'achat. Le deuxième tiers, c'est du côté des marques. Et puis le troisième volet, c'est le volet conseil, puisque j'ai monté un cabinet. Et dans le cadre de ce cabinet de conseil, j'interviens aussi dans les écoles pour transmettre tout ce que le monde du sport a bien voulu me donner, c'est-à-dire ma passion, mais aussi une certaine expertise de ce marché. La particularité de Paris School of Sport, c'est que le contenu des disciplines qui sont donc dispensées sont un savant équilibre entre une partie plus académique et une partie très opérationnelle. Et c'est ce qui fait la force de cette école. J'ai la chance d'intervenir en première année et leur permettre de découvrir en fait ce marché du sport en leur faisant appréhender le sport qui se regarde, le sport qui se pratique, le sport qui s'achète et qui se consomme. Ça les oriente plus facilement vers le choix qu'ils vont faire pour essayer de trouver ce premier stage. Et donc on travaille aussi sur le processus de recherche et la méthodologie. Mais encore une fois, nous sommes là pour les accompagner, nous ne sommes pas là pour leur apporter les stages. Sur la deuxième année, et on va donc travailler sur un thème qui s'appelle donc stratégie de marque. L'idée étant de faire appréhender à tous les étudiants quels sont les leviers et quels sont effectivement les éléments constitutifs d'une stratégie. Le conseil que je pourrais adresser à mes étudiants, en fait, est double. Il se résume en fait en deux mots. Le premier, c'est soyez curieux. En termes de marketing, on parlerait de veille. Moi, j'appelle ça de la curiosité. Soyez ouvert et regardez autour de vous tout ce qui se passe. Et le deuxième volet, c'est oser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez découvrir des opportunités, sachez les prendre dès qu'elles apparaissent. Le monde du sport, c'est un monde qui est en constante évolution. Il va très vite. Les choses avancent de manière très exponentielle. On regarde aujourd'hui le métaverse, cette évolution du marché. Nos étudiants qui sont des fous du numérique et du digital vont pouvoir partager leur passion du sport avec cette passion du numérique. Et je leur souhaite le plus grand succès dans cette direction.